Salut à tous et bienvenue à la Paris Games Week. Aujourd'hui on se retrouve avec deux membres NGM, Fusion qui est à ma gauche. Salut NGM, moi c'est Fusion. Et Amoret qui est à ma droite. Salut. Derrière moi il y a la finale Trackmania des losers, ceux qui ont perdu la demi-finale. Ils viennent de finir je crois parce qu'en fait il y a eu un bug réseau et donc je sais pas s'ils continuent ou pas. En tout cas dans une heure et demie il y a la grande finale mondiale et on se rend rendez-vous. C'est parti. Ça serait bien pour l'empêcher de mettre 6 points. Yo-Yo, très bien. Yo-Yo qui va sûrement prendre les 10 points là, de la première place. Si tu allez, faut tenir, faut tenir. Parce que là, c'est une seconde. Ça prenait 6 sur 2. Et là, du coup, Yo-Yo remonte à coup de 10 points. Il remonte très très vite. Il n'est plus qu'à 5 points de Twin. Tiens, le joueur slovaque qui fait 10 champions du monde. Et là, c'est pas fini. Maintenant, on est en situation de 1v1 entre Yo-Yo et Spam pour la médaille de bronze. Et Yo-Yo est finaliste. Il va repasser devant là, dans le gauche. Voilà, belle trajectoire externe de Spam. Oh, Yo-Yo va faire la trajectoire aussi. Il est bien parti, il faut tenir maintenant. Attention, bien parti externe pour prendre un maximum de vitesse dans le looping. Yo-Yo est très très bien, je sais pas trop où est Spam derrière. Oh, il est loin. Yo-Yo va le faire. Allez, il a trop
3 dixièmes d'avance sur Spam. Oui. Il faut largement les gérer. Il a une très bonne trajectoire, il prend pas la bordure. Et Yo-Yo pas à passer la oui, vie. Oui, vas-y, on a un Français médaillé, mais il faut féliciter ce carton qui s'approvisionne le deuxième. Derrière lui, le deuxième et le troisième. Place pour Yo-Yo, Johan Cook, troisième. Avec donc le casque Plantoni. La deuxième place pour Twin qui a fait un superbe match. Et la médaille d'or pour le grand champion, Carl Junior. Qui a été trop fort, trop fort. Il a fait quelque chose d'historique. Champion du monde de SWC 2014. Donc on est avec Yo-Yo. Donc voilà, est-ce que tu veux dire quelques petits mots sur cette finale? Bah c'était épique, écoute, ouais. Je finis 3ème, je pensais que j'allais faire 4ème vu le start que j'ai fait, c'était lamentable j'ai envie de dire par rapport au match que j'ai fait avant. Mais au final je me suis bien remis et puis je finis 3ème. Tu repars avec petit chèque de 2500€. Moi ça fait plaisir. Ouais. Ouais ça fait plaisir, ça fait longtemps. Le dernier chèque il était en 2011, c'était 2000. Ouais, c'est un peu moins mais ça fait un salaire. Et ça c'est sympa. Ok, bah écoute, merci à toi de nous avoir fait cette interview.